Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour tester un nouveau jeu de Naruto. Je suis tombé par hasard en regardant des pubs pour recharger ma stamina sur certains jeux et à chaque fois je le voyais revenir dans les pubs. Je me suis dit pourquoi pas le tester. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. N'oubliez pas que mes réseaux sociaux sont disponibles dans la barre de description, Twitter et Discord. N'oublie pas que je compte également reprendre les lives sur Twitch. Je mettrai le lien de Twitch dans la barre également. Et sur ce, on démarre. Je viens de terminer l'installation du jeu. Le jeu ne porte, le jeu, bien sûr, c'est pas un jeu officiel. Il ne porte pas un nom officiel. Il n'a pas le nom de Naruto dans le titre. Il s'appelle Ultimate Fight Survival. Vu que ce sera juste un test, on va se connecter rapidement au jeu sans, bah, du coup, en identification rapide. Non, du coup, on va pas se casser la tête. Register. Back to login. Auto-login. Auto-login. Register, ça serait cool de me connecter. Ok, bon. On va couper ce petit passage. Ok. Du coup, j'ai ouvert les news, la fin des news, et il y a énormément de petits trucs. Déjà, un petit mode VIP, énormément de serveurs également. Oui, le jeu il marche. En vrai, on peut pas dire qu'il marche, vu qu'on connaît pas le nombre de slots. Mais il doit y en avoir entre 500 et 1000, je pense, entre chaque serveur. Ok, bon, on va mettre un peu la musique du jeu pour voir ce que ça donne. Seulement, ils ont repris les vrais hosts du jeu, les vrais OST. Du coup, on démarre. Et le jeu est disponible en anglais. Pour les skills de ce que j'ai vu dans le trailer, dans le gameplay. Ouais, bon, c'est du 2D déjà. Du 2D et les personnages qui sont en 2D5, en 2,5D. Ouais, concernant l'esprit, c'est vraiment l'esprit des persos qu'on voit dans l'animé. C'est pas des trucs éclatés ou quoi. C'est pour ça que le jeu m'a fait un peu tilter. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un petit truc. Un côté, une petite vidéo. Par contre, ouais, certains personnages, ils auraient dû faire moins un truc à la Edo Tensei. Oh, ok, un petit Raikiri, normalement Rasen Shuriken. Ouais, c'était sûr. Ouais, ils ont bien respecté le truc, c'est ok, pas mal. Après, le seul problème, c'est que c'est un jeu où il y a un système VIP. Mais à part ça, c'est tranquille. Tsunade contre Pain. Anbu. Oh! Après, ça reste très très simplé, hein. Elles sont belles, mais sans plus, quoi. On n'est pas sur du. On n'est pas sur du Pocket Incoming, là. On va balancer quoi comme attaque? Rasen Shuriken, du coup. Ok. Ils nous mettent vraiment l'eau à la bouche dès le début avec ce petit trailer. Ils nous mettent des gros persos maxés pour qu'on puisse s'y accrocher. Hein. C'est pas mal. Pas mal, c'est pas mal. Pour ceux qui demandent, le jeu, comme je l'ai dit au début de vidéo, il s'appelle Ultimate Fight Survival. Bon, pourquoi on peut pas skip ça? C'est bien qu'on puisse skip. En fait, ils ont retapé les OST, je crois. À part celui-là. Celui-là qui est un OST off, je crois. Et du coup, on va enlever tout ça.
Parce que non. Oh! Ils ont mis un système de tap. Ah, c'est pas mal en vrai. Hein. Il me fait penser au Naruto Mobile Game de Tencent. Mais cette fois-ci en tour par tour. Après, je vais voir un peu le système d'invocation. C'est ça qui m'intéresse le plus en fait. La fameuse attaque qu'il a utilisée contre Mizuki dans Naruto. Du coup, là, ça regroupe Naruto et Naruto Shippuden. Ok. Ok. Recrute. On commence directement avec. Ah. Oh, on commence directement avec les recrutements avancés. Du coup, on va tomber sur quoi? Bon, ok. Bah, je pense que tout le monde. Ah, ce perso dès le début. Hein. Mon petit perso soigneur. 2200. Oh, ça veut dire qu'il faudra farm comme un porc pour aller jusqu'à la multi. Dès qu'on finit le tuto. Dès qu'on finit le tuto, on va voir un peu ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Pour voir si on a de quoi invoquer, ça serait cool. Ok. C'est dommage que. Ok, en vrai, je peux laisser ça. En vrai, ils auraient mieux travaillé sur les attaques spé. Genre, visuellement, le jeu aurait été une masterclass à la Pocket Incoming. Hein. Même s'il y aurait un petit système VIP. On va voir un peu après aussi les prix. Les prix du VIP pour recharger également pour recharger l'argent. En fait, ils ont repris le système de comment il s'appelle? J'ai oublié le nom de One Piece Treasure Cruise où il faut taper en même temps là. Ouais, c'est bien ça. Ils ont repris à peu près le même système avec le truc où il faut taper au bon moment. Upgrade, ah, ok, un système d'équipement également. Ok. Bon. Après, ce qui est bien, c'est que le jeu il est en anglais. C'est pas un jeu chinois. Ils ont même repris leur voix. Même le son des sorts. Ils ont osé reprendre les voix, les sons, quelques OST remixés. Rasengan. Ok. Ouais, même l'aspect des persos secondaires qu'on voit quasiment jamais. On les voit. Shannara! Ok. Normalement, ils ont pas. Il devrait pas avoir la possibilité de faire ça, mais ok. Yo! Ça me fait penser au premier Chronicle, au premier jeu Chronicle qu'on jouait sur DS ou sur PS2. Yo! Ou même les Storms. Yo! Du coup, forcément, système VIP, système de fragments également, a priori. Il m'oblige à aller jusqu'au bout quand même. Hein. Le tuto, je trouve qu'il est un peu long. On est à combien de temps là?
On a 10 minutes. Ok, normalement, on devrait le terminer d'ici 5 minutes, hein. Oh, joli. Joli l'attaque de Sakura. Ok. En vrai, le système de tape là, il est facile à utiliser. Il est lent. Ah, mais après, on peut aussi le mettre en mode auto. Ok, cool. Je sais que je ne l'ai pas encore débloqué. N'empêche, ils sont allés quand même. L'histoire va jusqu'à la Grande Guerre Ninja. De ce qu'on voit là-dessus. Ok. En vrai, là, je vais speed un peu. Je vais speed un peu parce que ça va être fort, ça va être énervant. Normalement, le katon devrait être une attaque de zone, hein. Peut-être une attaque linéaire, qui sait? À la ligne verticale, pourquoi pas? Ok. Enfin! Oh, que là c'était le boss, hein. Il était un peu. Ouais, c'était le boss. Enfin, je crois. Déjà niveau 6. Ok, promote. Par contre, le système de promotion me fait penser à celui de Ninja Tribes. Ok, c'est bon, je crois qu'on a tout terminé. On peut tout récupérer. Il y a ça. Oh, il s'est foutu de nous, on a même pas de quoi faire une multi là. Ouais, par contre, ça y va pour. Ah oui, ça y va pour tout ça. Hein. Ils veulent vite se faire de l'argent avant de fermer leur jeu. Recrute. Et nous donne une chi. Ok. Nice. Hiroka. Confirme. Haku, qui est un perso 4 étoiles. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Bon, on s'en fout. Encore un coup. Ah, par contre. Ah oui. Ah, les fragments, on les sent passer, hein. Ça va, on va faire ça, hein. On n'a rien à perdre, de toute façon, c'est juste pour le test. Ok. D'accord. Ninja, du coup. On va l'améliorer. En plus, j'ai eu un doublon sur le perso, je crois. Je peux pas l'améliorer. De toute façon, ouais. Ouais, je peux l'améliorer une fois pour le moment.
Ça va jusqu'à 7 étoiles du coup. Waouh. Ok. On va récupérer ça. Ok. Bon, les gars. Les gars. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je mettrai le nom du jeu pour ceux qui veulent le tester en commentaire épinglé et dans le titre de la vidéo. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Ça me fera énormément plaisir. Et sur ce, ciao et à la prochaine. Peace. Prenez bien soin de vous, tout le monde. Oh, j'ai bégayé. Allez, ciao, ciao.